bonjour les oursons, ici c'est Baribal 40 qui vous souhaite la bienvenue sur BioShock. Oui, nous jouons à un jeu rétro qui m'a pas l'air si mal. Bon, je n'ai pas pris le temps, j'avoue, de régler ma souris. On peut pas tout faire, dormir et prendre le temps de régler une souris. On ne peut pas tout faire, voilà. Bon, la dernière fois, j'avais trouvé des trucs sympas et puis j'ai dû me le retirer. J'espère pouvoir me le remettre, car je me serais ouvert à nouveau. Truc rond, peut-être que je me suis fait totalement avoir. Mais c'est pas grave, parce que je pense que je retrouverai. Munitions antipersonnelles pour mitrailleuse. Oh, munitions antipersonnelles. On a vu comment on est loin de l'armoire et comment on trouve des choses. Voilà. Allez, on va aller pirater. Oh, hop. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hop. Ok. Voilà. Ah, j'aurais pas dû le détruire. Ah, j'ai crevé. Non, c'est bon. Je ne suis pas mort. Bon, mais j'ai pas pu pirater. J'allais la pirater, quoi, mais je sais pas pourquoi elle a pas... Allez, pirater, c'est facile. Allez. Là... Facile. Il faut vite réagir. Hop. Là. Ici. Voilà, déjà, on a... On peut... Ah non, on peut pas. Là. Là. Ah ! Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Ah mais parfait. Oh, c'était chaud. Coffre déverrouillé. Bombe. Pour un... Par contre, je n'ai plus aucune munition, quoi. Elle avait de la mort au rein ou un truc comme ça? Non, c'était des pommes chips. Hein. Elle avait des pommes chips. Bon, il y a quelqu'un qui rigole par là, mais... Oh, des chevrotines. Comme quoi, dans le manque de lumière, on peut trouver des choses sympas. Stop, Scalpel. Où est-ce qu'il s'est échappé? Quoi? Ah, ta gueule! Tu vois, c'est pas bon de jouer avec le feu. Vous allez tout infecter. Allez, dans ta gueule! Allez, lance! Mais j'ai pris cher aussi. Ok, 15$, rien qu'à faire. Ben non, c'est pas par là qu'on doit aller, j'ai tué quelqu'un en fait. Je l'ai poursuivi.
Qu'est-ce qu'on va avoir là? Ça m'étonne de pas... Voilà, je... Tu te sens pas à l'aise, quoi. Là. Ah, je sais ce que je dois faire. Merci, monsieur. J'avais des problèmes. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec Nordes. Steinmann m'a tenu. Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il, Nordes? Lui ai-je demandé. La symétrie, mon bon Steinmann. Il est temps de faire quelque chose. Ah, d'accord, je veux viser. Voilà, voilà ce que j'ai en fait. Je veux viser, mais j'en ai rien. Je ne vise pas. Ouh! Mais j'ai plus beaucoup de vie. Oh, ça m'énerve. Oui, ça c'est ma tête énervée. Ah mais voilà, ma première mort dans parce que je ne fais pas attention. Je suis... Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord, d'accord. Au diable les distractions, vous êtes patient à voir. Bon, ça c'est... Je me suis fait avoir une fois, pas deux, hein. Ah ah ah. Piraté. Faut aller là-bas. Hop 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 hop. D'accord. On va prendre ça, ça. Ça. On va aller ici. On va aller là. Et on va aller... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Terminé. Voilà. Vérifier... Ouh, soit il est dur. Ouah, ça démarre super mal. Terminé. J'ai bien compris là, donc je pense que... Ah mais déjà on peut faire ça. 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 Wouhou. Ça et ça. Wouhou. On a réussi. Allez, dis-moi tout. 30 dollars, hein, c'est pas... C'était pas négligeable, c'était pas négligeable. Aphrodite arpente les couloirs, luisante comme un scalpel. Elle m'appelle. Steinmann, Steinmann, ce que vous cherchez, je peux vous le donner.
Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. C'est toujours un échec. Celle-ci, trop grasse. Celle-là, trop grande. Une autre, trop symétrique. Et à présent, un intrus. Il est laid. Il est hideux. Hideux. Ah, ça doit être un boss. C'est mon patient. Oui. Oh. Ah ouais, là t'as fait l'erreur de ta vie, Nagasaki. Ah, tu t'es fait nu. Il était temps que quelqu'un s'occupe de cette raclure. Tu t'es fait baiser. Et repartez vers le sas d'urgence. Je suis moi-même en train de me diriger vers l'arrière de Port Neptune. Nous y serons bien assez tôt. Ah, il s'est fait avoir. Fil d'une de force. 4-0. Et voilà. Le nez est magnifique, Dr. Steinman. Docteur ? Vous savez, maintenant que je la regarde, je n'avais pas vu que son visage s'affaissait autant. Scalpel. Pardon ? Scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un lifting. Voyons, par où vais-je commencer ? Docteur, arrêtez. Docteur ! Docteur, je vous en prie ! Allez me chercher le chirurgien en chef ! Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite. Il a pété un câble. J'écoutais le truc, tu vois, c'était... c'était intéressant. Oh putain, hop 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 hop. Hop, pardon. Voilà. Ah ok, c'est bien ça. Là. 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 Et là, on a fait... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, je dis pas non. Ah, c'était un petit boss, hein, mine de rien. C'était un petit boss. Mais grâce au regard aiguisé de l'ours, j'ai pu déjouer ces petits plans macabres. Et aussi, une pointe d'ironie, hein. Il s'est pris juste une bombe dans la tête, hein. Déjà été ici. Bon, les ennemis sont un peu cons, hein, faut dire ce qu'il y a. L'approche d'une petite sœur est un acte criminel. Ne vous approchez pas des petites sœurs. Qu'un autre tunnel vient de s'effondrer. Bienvenue à Rapture, le royaume de la rouille et de la ferme. Bah tu m'étonnes, c'est de l'eau salée quoi. Ok. Mais il faut que je passe par là, monsieur. D'accord, donc il me faut un explosif ou quoi? Ah, attendez, il y a la vidéo qui s'est mise à... D'accord. Ton protecteur va faire la sieste, petite sœur. Il n'y a que toi, moi, et tout le monde que je peux boire. Ne t'approche pas.
maintenant, ce sera toi le prochain. Du calme, docteur. Il ne fait que chercher un peu d'Adam. Juste de quoi tenir le coup. Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien, vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance, pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. Choisissez de sauver la petite sœur ou récolter son Adam. Vous aurez un maximum de vos plasmides, mais elle n'y survivra pas. Si vous la sauvez, vous aurez moins d'Adam. Mais tellement bonne a promis de vous dédommager. C'est quoi le plus important maintenant? Je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. L'Adam, en fait, je sais pas du tout ce que c'est. D'accord. H récolté L. Bon, on va faire L. Non. Merci. La voie du juste est semée d'embûches, mais la récompense viendra en son temps. Sois patient. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'Adam possible. C'est une question de survie. Si vous croisez à nouveau le chemin d'un jardin des glaneuses, tâchez d'acquérir un ou deux plasmides. Si le prix reste raisonnable, bien sûr. Mille et une améliorations. Ah, c'est ça, les jardins des glaneuses. Le jardin doit visiter. Non seulement ces fillettes sont de véritables suicides d'Adam, mais en plus, elles sont pratiquement invincibles. Elles régénèrent les chairs blessées avec des cellules souches tirées des tissus morts. Cependant, leur relation avec les limaces implantées est symbiotique. Car si on prélève la limace, voyez-vous, l'hôte meurt. Tenenbaum dit que ce n'est pas tuer, mais plutôt soulager un patient en phase terminale. Améliorer la lésion d'Adam. Utiliser les trousses de soins restaure aussi votre Ève. Ah, c'est pas mal. Armure corporelle. J'ai combien? J'en ai 80. Augmente votre Ève maximum. C'est quoi ça? Rage. Enrage la cible qui dirige son attaque vers quelqu'un d'autre. Et je peux pas... Ça, j'avoue, j'aime bien, tu vois. Attends. Comment déjà c'est... Ah! Non, j'ai pas besoin. Ah, ça, c'est le plan. Tu poses ça. Distributeur, jardin des glaneuses, d'accord, ok, M. Je cherche... Attendez, de toute façon, hop là. Option, jeu. Non, c'est pas ça, annuler. Hein. Commande. Voilà. Touche clavier, risque de perdre. Oui. Tu es piraté, trousse de soins, lire les journaux non lus le plus récent, conseil.
Ah, je sais pas quoi faire. Améliorer votre santé, améliorer Eve. Bon, améliorer la santé 80. Lésion d'Eve. Utilisation des trousses restaure aussi votre Eve. Ouais, mais c'est une utilisation ou bien armure corporelle réduit tous les dégâts physiques. Profitez des deux trousses de soins avec la Légion d'Eve grâce à un fortifiant génétique révolutionnaire. C'était de ça qu'il disait. Ah, je suis trop bête. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas tout utilisé. Voilà. Je vais en garder pour la prochaine. Allez. Je sais pas. Quel est le pire outrage fait à l'humanité ? Le logos, sa dictature. Vous êtes pas prêts. Il est temps pour vous d'affronter un protecteur. Ce ne sera pas facile, mais c'est le seul moyen d'arriver aux petites sœurs. Et à la dent qu'elle transporte. Vous avez une autre petite sœur pas loin. Pour prendre son Adam, vous devez d'abord affronter son protecteur. D'accord. Wouah! Il m'a défoncé la tête! Ah cool. Comment je fais pour monter là? T'es où en forêt? Il fait mal ce con. Oh, je vais crever comme ça à chaque fois quoi. Putain, j'ai. C'est quoi ça, chevrotine lomique? Antipersonnel. Tu vas voir un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je crois que tu as besoin d'un montant. Je me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Parfois, je vois même des choses qui n'existent pas. Ah, mais je suis couché, c'est pour ça! Les ondes de plasmide, Marie. Je pense que tu te calmes un peu sur les injections. Ça va passer en arrière-temps. Vous êtes bientôt revenu aux salles d'urgence? Franchissez-le dès que vous y serez. Ryan vous a à l'œil maintenant. Vous ne l'entendrez pas venir. Mais il surgira avant même que vous vous en rendiez compte. Merde, elle est partie ou quoi? Monsieur P,
pas que tu bouges plus. Bah on va faire les deux, t'es. Ah ouais, en effet. En effet, ça donne beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Oui. D'accord, ben, je vais améliorer aussi ma santé tant que j'y suis, hein, voilà. Et mon armure corporelle. Merci beaucoup. Ah, mais voilà. On se sent mieux. Ceux qui veulent que les autres fassent leur travail, on appelle à leur aide. C'est bon, on peut se barrer. Oh, ça a été un combat bizarre, on va dire. Ah, il s'est barré. Il va sûrement venir là. Oh. Ah non, ta gueule, hein, c'est tout. C'est toujours vide. J'aurais aimé quelques soins, tu vois. Allez, continuons. Là, je suis mort trop de fois, là. Mais en tout cas, on l'a... Ah, c'était bien par là qu'il fallait aller. Ok, ok. Ah, mais voilà, c'est ici que je devais... Oh non, je me suis dit, bon, bah, pop, pourquoi pas? Fin de l'alarme de sécurité. Je ne sais pas comment vous avez fait votre coup, mais vous avez réussi, on dirait. À présent, dirigez-vous vers Portail 1. J'ai hâte de vous serrer la main. Et ben voilà. Bon, ben allons-y. Mais trésor de Neptune. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Mais après un combat non épique contre la petite sœur et tout ça, mes amis, j'ai le regret de vous annoncer que c'est ici que je vais vous laisser. Ou après la cinématique, s'il y en a une. Non, pas de cinématique. Bon, mes amis, c'est ici que je vous laisse. Je retourne dans ma grotte pour hiberner. Bye bye. Épais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que ça t'a intéressé et que mon travail te satisfait. Réellement, je ne sais pas quoi dire, à part merci. Alors, je peux dire aussi abonne-toi, hein, c'est accessoire. Et puis aussi mettre un pouce bleu, hein. Ça prend pas de temps, pas d'argent. Juste un petit clic. Allez, sur ce, je vais hiberner, je te laisse. Bye bye.